Merci. C'était très bien. Comment c'était? Il n'était pas vraiment mon genre. Il devait pas y en avoir deux. Chino Sandoval en personne va venir livrer l'autre dans une dizaine de minutes. Salut, Tony. Les averses se déclencheront dans la matinée. Côté température, c'est toujours normal. Après avoir semé la mort sur deux continents, la famille Karpov a fini par venir s'installer ici, dans la Cité des Anges. Mais pour mieux y poursuivre leur sanglante croisade, elle sera bientôt terminée. Aujourd'hui, si ma mère et mon père pouvaient me voir, nul doute qu'ils ne seraient pas enchantés par le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici. Je ne suis plus du tout la petite fille innocente que j'étais il y a des années. Mes parents et moi, nous parlions souvent de venir en Amérique un jour. Et je pensais bien y passer des vacances avec eux. Jamais je n'aurais imaginé que je m'y rendrais seule. Et pour y remplir une mission. C'est très fonctionnel. Oui. Je vous écoute. Il y a une voiture noire derrière. Tenez. A une longue vie et une mort rapide. Chin. Il est très bien. Je vous remercie. Passons aux choses sérieuses. C'est pour vous. Le meilleur moment, c'est samedi soir, assez tard. Demain, alors? Oui,
au club. Ils seront tous là. Les coursiers viennent déposer jusqu'à la fermeture les recettes de la semaine de tous les établissements Karpov de la ville. Est-ce qu'ils sont légaux? Quelques-uns. Le club, oui, c'est une clientèle d'affaires. Lui, c'est Luc, votre équipier. On s'était mis d'accord, je dois bosser toute seule. Non, pas question, c'est trop dangereux. Je n'ai confiance qu'en vous. Très bien, alors raison de plus. Il sera au club ce soir, il répondra à toutes vos questions sur les Karpov ou sur le club. C'est lui qui a fait les repérages. Mon visage est trop connu dans cette ville. Pour être efficace, il faut agir vite. Le fond de commerce de ces ordures, c'est la peur. Bien. Bonne soirée. Le siège est libre. Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de vodka sans glace. Vous avez une vraie tenue de tueur. Vous avez l'âge de venir ici? Vous voulez voir ma fausse carte? Ça m'étonnerait que je vous permette de m'aider. Vous verrez bien. Vous avez l'air sûr de vous. Je sais ce que je vaux. Et moi, pas. Que ça vous plaise ou non, je crois que la décision a été prise. Que ça vous plaise ou non, c'est moi qui décide. Et si je juge que vous ne valez rien et si je ne partage pas cette confiance que vous affichez, je vous assure que notre relation sera brève et sans lendemain. Ça me convient. Les marches à gauche de la Seine, le bureau est derrière. Lui, c'est Georges, le grand frère. Il gère le club et la plupart des opérations. Son père, Sergueï, le patriarche, c'est lui qui a monté l'affaire. Il a le don pour faire fructifier de l'argent sale et le rendre propre à la sortie. Et vice-versa. Salut, Peter. C'est une belle soirée, hein? Belle soirée, oui. Je m'appelle Peter. Permettez que je vous offre un verre? Non, merci. Je deviens vite ivre quand les autres m'offrent à boire. Il est trop mignon, ce petit jeune-là. Sa compagnie ne me dérange pas. Pour ce soir, en tout cas. Et demain soir? Qu'est-ce qui se passe de si particulier demain soir? Je serai encore là. Eh bien, si j'ai envie de sortir, envie de revenir me perdre ici, envie qu'on me tienne compagnie, peut-être me reverrez-vous. Pas question qu'elle paye. Tu mets tout sur ma note. Pareil pour le petit. On se reverra. Et Natalia? Je l'ai pas vue et ça fait une heure que je suis là. Elle est sûrement dans le bureau. Un mois que je viens ici, tous les samedis soirs.
Sergueï, Georges, Peter et Natalia s'enferment dans le bureau juste avant la fermeture. Ils attendent le dernier dépôt. C'est là qu'il faut agir. Bien sûr, il peut y avoir un type à la porte ou un garde du corps, mais rien de plus. Alors, quand est-ce qu'on passe à l'action? Ce soir, on en profite. C'est la maison qui paye. Ouais. Et ils paieront encore. Alors, à la nôtre? À la nôtre. Bonsoir. Quel beau déballage. Tellement superficiel et arrogant. Comme je voudrais déjà être à demain soir pour venir troubler tout ce joli petit monde. Et vous vous appelez ? Buggy. Ah ! Un gangster. Cadrez bien avec le décor. Pourquoi vous dites ça? Vous ouvrez les yeux, petit. Tu dois déjà être couché. Cette nuit est une nuit de première, et peut-être de dernière. Je ne suis jamais montée sur une moto. Je n'ai jamais ramené un homme chez moi, après une première rencontre. Luc n'a rien dit, mais je sais ce qu'il veut. Et je crois qu'on le veut tous les deux. On en a besoin tous les deux. Ça fait mal. Je sens plus rien. Demain, alors? Quoi? Demain, on y retourne et on le fait. Oui. Mais tu as dit que ce soir, on devait en profiter. Tu as été parfait et j'ai bien joui. Je te remercie beaucoup. Alors maintenant, bonne nuit. Tu me fous dehors, comme ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Demain. Oui, demain. Donc, est-ce que ça veut dire que t'as confiance en moi? Est-ce que tu me seras utile? Ça, je ne sais pas, mais je suis presque sûre qu'avec toi, je ne me ferai pas tuer. Renaud m'a affirmé que t'étais à la hauteur. Mais je te préviens, je te tiendrai pas la main. Est-ce que je te l'ai demandé? D'accord. Es-tu prêt à tuer?
Je suis prêt. Et es-tu prêt à mourir? Je le suis. Je commence à avoir confiance. À mon avis, je vais te surprendre. Alors, on va reprendre les forces. Tu connais la sortie, je crois. Un verre de vodka, sans rien? Avec glaçon. Avec glaçon. Non, je suis sûr que Peter me dirait de mettre ça sur son compte. Mais moi, non. Bien. Je veux que j'aie confiance. Voilà. Bonsoir. Salut. Ah non, arrête. On est là pour travailler. Je suis sûre qu'elle te surveillera aussi bien que moi. Bois quelques verres avec elle et débarrasse-toi d'elle. Quoi? Tu lui paieras un taxi après. Ce soir, tu me fous la paix. Alors amuse-toi un peu avec elle. Je peux venir avec vous? Elle vous a donné la permission, madame?
Cette fois, c'est la maison qui offre. Non, je préfère un café. Un café. On va voir s'ils sont amis, après on verra bien. J'ai rien à faire après la fermeture. Je connais un super club pas très loin. Votre patron ne va peut-être pas apprécier. Désolé, patron, je savais pas. Il va passer la nuit dans le bureau à travailler. Vous ne manquez pas d'audace. Mais une autre fois, pourquoi pas? Votre nom? Jimmy. D'accord. Une autre fois. Vous êtes revenu. Vous avez soif? Et vous, vous êtes seul ce soir? Pour l'instant. Pourquoi ne pas se retrouver après la fermeture tout à l'heure? Je serais peut-être déjà partie. Non, vous serez là. Oh, vous croyez? J'en suis sûr. Je vous fascine. À peine. Je vous intrigue. Presque. Ah, très bien. Vous me fascinez. Vous m'intriguez. Il n'y a même pas un soupçon de curiosité chez vous. Très léger. Après la fermeture, alors? Ensuite? Hey, Peter, Sergueï voudrait te voir. Cette fois, c'est pour la maison. Et lui, c'est tous les soirs qu'il boit comme ça? C'est parce que vous êtes là. Je me méfierais si j'étais vous. Je suis assez grande pour me défendre. Je veux bien le croire. Nous vous remercions tous d'être venus au Blue Parrot et d'être aussi nombreux. Nous espérons vous revoir jeudi prochain. Un dernier? On y va? C'est fini? Vous ne voulez plus rien? Non, ça ira, merci. Où est-ce que tu habites? Dans ma maison. Non, ton adresse. Attention à la 137 North Street. Au 137 North Street. Je passe tout à l'heure, je vais dire deux mots à mon ami. Ne t'inquiète pas, je n'en ai pas pour longtemps. Tu me laisses pas, hein? Tenez. Jimmy? En vous remerciant. Vous ne voulez pas l'attendre? Non. Dites-lui que je suis partie avec un autre. Il va être furieux. Eh bien, tant mieux. Jimmy, t'as fait la caisse? Ouais. On t'attend. J'arrive. Salut.
Et le portier? Je l'ai bercé. Arrêtez de tirer! Prenez le pognon! Vous? Tu la connais? Je t'en pose des questions. Ils sont où? Ton père, tes frères, où est-ce qu'ils sont? Réponds-lui. Où est-ce qu'ils vont? Ils reviennent après? Vous avez largement le temps de vous en aller. Ramassez tout le paquet et tirez-vous. Tu peux t'offrir un petit cadeau avec tout ça. T'as qu'à te prendre un cercueil. Ne dis pas ça, je suis morte de peur. Est-ce que tu sais qui en est? Crois-tu que je serais là si je ne le savais pas? Je voudrais savoir quand Sergueï Karpov et son petit frère adoré vont revenir. Pourquoi nous, les femmes, ne nous prend-on jamais au sérieux? Je vais me faire voir quand je veux. Vous êtes mort. On va vous crever. Ma famille va quand vous faire... doivent-ils te rejoindre? Tue-les! Désolée. Tu aurais préféré qu'elle te tue? Non. Je sais qui vous êtes. Je t'écoute. C'est le clan des Reliques qui vous a envoyé. Ils n'ont pas apprécié qu'on ait arrêté de faire des affaires avec eux, alors ils vous ont envoyé. Les Reliques, ce sont eux qui nous envoient. Vous faites des affaires qui puent, et tu pues autant qu'elles. Je suis sûre que tu as d'autres ennemis. Ouais, mais il n'y en a pas un seul qui en ait assez dans le bide pour venir ici et faire une connerie pareille. Eh ben, tu t'es gouré, la preuve. Franchement, je ne vois pas à qui tu pourrais faire peur. Tu vas me le payer! Tu m'avais dit qu'ils seraient tous là ce soir. Ils vont repasser. Sergueï aime bien s'occuper du fric. Je te dis qu'ils vont repasser. Tous les soirs, c'est le même cirque. Le peignoir. Tiens, mon chéri. Merci. Il faudrait peut-être décrocher, non? Non. On laisse sonner. Ils vont se demander ce qui se passe et se dépêcher d'arriver. Va surveiller l'entrée. Et cette bande de pourris, vous allez le payer très cher. Et selon toi, quel va être le prix à payer? Nous allons tuer tous les membres de ta famille. Les exterminer un par un pour qu'ils ne polluent plus notre air.
Œil pour œil, dent pour dent. C'est une loi qui a fait ses preuves. Et à votre place, j'en aurais sûrement fait autant. En attendant, veux-tu avoir l'obligeance de me dire si ton frère et ton père vont revenir ensemble ou séparément? Je parie que c'est pour toi. Tu n'auras même pas l'occasion de leur dire au revoir. Dommage. Tu vas rejoindre l'éternité. Mais ma famille... Ils en auront de la peine. Enfin. Adieu, mon amour. George, pourquoi personne ne répond au club? J'espère pour eux qu'ils ne sont pas partis. Où es-tu? Je viens de terminer le ramassage. J'allais m'en aller quand tu m'as appelé. Je te rejoins au club. Préviens tous les hommes. Je m'absente une petite heure. Buvez autant que vous voulez. Mais quand je reviendrai, faudra être en forme. Laisse-la. Le dernier est là. Vous pouvez venir. Est-ce que ça va? Vous avez eu les autres? Peter et Nathalie ont eu leur billet pour le ciel. Et Sergei? Pas encore. On l'expédie dans 2 minutes. Non, on ne l'attend pas. Il faut partir. Qui êtes-vous? Adieu, mon amour.
Il a eu beaucoup de chance, alors. Oui, elle a traversé l'épaule. Il a besoin de repos, d'antibiotiques et d'un pansement matin et soir. Antibiotiques 3 fois par jour, pendant 10 jours. Et prends des calmants si tu as mal, mais surtout pas d'alcool avec ça. Merci, docteur. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé, monsieur Reilly. Non, au contraire. Tu as très bien fait de venir ici, Jimmy. Je suis sorti de là dès que j'ai pu et j'ai dit à Sergueï que je me débrouillerais très bien sans lui. Oh, parfait. Maintenant, parle-moi un peu des tueurs. Il y avait un homme et une femme. Tu les connaissais? Oh, lui est déjà venu pas mal de fois au club. Et la femme? Seulement hier et avant-hier. J'avais pas l'impression qu'ils se connaissaient, mais... j'ai dû me tromper. Elle est pas banale, cette fille. C'est-à-dire? À la voir, on croirait pas que c'est un tueur. Comme tous les tueurs. Alors, c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Ils l'ont mérité, ces ordures. Depuis qu'ils ont débarqué ici, il y a que des problèmes. Tous butés. George, Peter et Natalia. Ah, toute une famille anéantie. J'aurais voulu être là pour le voir. Sergueï est encore en vie. Je suis presque sûr qu'il croit qu'on s'est vengé. Parce qu'ils ont buté les Sandoval? Non, c'était une bande d'ignares sans envergure. Sergueï nous a rendu un énorme service en les mettant hors d'état de nuire. Mais dis-moi, ne serait-ce pas toi qu'aurais voulu me faire une petite surprise par hasard? Moi, papa? J'aurais bien voulu te faire ce cadeau, mais désolé, non. Alors, qui a bien pu nous rendre un service pareil? Je sais pas. Il y avait quelqu'un d'autre. Qui ça? Renaud. Il est venu au club. Il a pas tiré, mais il était là. Qu'est-ce qu'il fait, ce Renaud? Garde du corps. Il travaille à son compte. Mais c'est pas à tort. Tu crois qu'il a pu mettre sur pied une chose pareille? Non, je pense pas, non. Je vois pas quelqu'un lui confier une aussi grosse opération. Ouais, il est bon. Il est réglo. Mais ça restera toujours une petite pointure. Je l'ai même pris avec moi plusieurs fois. Mais jamais pour les gros coups. Mais peut-être qu'il était là parce qu'il bossait en douce pour Sergueï et qu'il a débarqué au club pendant la fusillade. Trouve-le. Et mets 2 hommes devant le Blue Parrot dès ce soir. Jimmy, Sergueï a-t-il confiance en toi? Ça fait 6 mois que je suis loyal envers lui. J'ai pris une balle pour sa famille, alors je crois qu'il a confiance en moi. Alors, je veux que tu ailles le voir demain. Mais tâche d'en savoir plus. Ensuite, tu viendras me dire, si tu le peux, à quel moment on doit terminer le travail qui a été commencé. Est-ce que c'est clair ?
C'est clair, oui. Je te remercie. Sois très prudent. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Bonne nuit à toi, Jimmy. Yes. Bonjour. Entrez. J'apporte le petit déjeuner. Café noir et croissant. C'est qui le troisième? Luc. Il arrive. Pas mangé de vrais croissants depuis que j'ai quitté Paris. Qu'est-ce qui se dit dans le milieu? Rien. Et personne ne sait qui a fait le boulot. Le boulot n'est pas terminé. Non, il n'est pas terminé. Je peux y retourner quand? Après hier soir, Sergueï ne sera pas facile à approcher. Il vaudrait mieux qu'on attende. Je ne veux pas. Laissez-moi une journée. Luc et moi, nous allons faire un peu de reconnaissance et on verra ce que ça donne. Luc ne doit pas se montrer, c'est trop dangereux. Pourquoi? Il n'y a pas de survivants? Non. Enfin, je ne crois pas. Non. Non. Bien, vous savez que votre visage, personne ne le connaît ici. Peut-être que vous devriez aller vous promener. Je ne suis pas d'humeur à jouer les touristes. En fait, j'ai l'intention de ne rien faire aujourd'hui. Quoi? Comment ça? Je m'attendais à me faire tuer. Pourquoi? Vous n'aviez plus confiance en vous? On sait que... ce n'est pas ce que j'espérais. Je pensais régler cette affaire en mourant aussi. Plus de soucis, plus de cauchemars. Ne parlez pas comme ça. Vous êtes jeune, vous êtes encore marqué. Dites-moi, Luc a été à la hauteur? Oui. Oui, sans plus? Il a bien travaillé. Vous avez bien fait de le prendre. Je savais que c'était un pro. Comme vous. C'est lui? Qui est-ce? Buggy! Alors, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Alors, quand est-ce qu'on bute Sergueï? Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est seul au club en ce moment. Quoi? Je suis passé devant, je l'ai vu entrer seul. Il n'y avait pas de gorille avec lui. Pas d'autre voiture. Bizarre. Vous restez ici, je vais aller voir, je rappelle de chez moi. D'accord. Je suis content de te voir. Oh, oh. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est rien, c'est une égratignure. Tu es sûre? Mm-hmm. Tu peux prendre ton petit déjeuner si tu en as envie. On fait une bonne équipe tous les deux. Pour le travail. Et le plaisir. Toi et moi, on s'est bien amusés, mais c'est terminé. Tu m'as sauvé la vie. Et tu as sauvé la mienne. On est quitte. On doit toujours veiller sur l'autre. C'est la règle.
On doit aussi pouvoir compter sur l'autre. On sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que tu aimes la vie? Bien sûr. Alors trouve-toi un autre boulot. Ferme-la et écoute-moi bien. Je veux que tous ceux qui bossent de près ou de loin avec les Reilly soient surveillés. Je veux connaître leurs moindres faits et gestes, et je veux savoir où se planque son fils. Je veux que vous me les ameniez, ces ordures, pour que je leur fasse payer ce qu'ils m'ont fait. Est-ce que c'est clair? Les Reilly sont pour rien. Quoi? Oui, assieds-toi. Parle! C'est pas prudent de rester seul. Vous devriez peut-être appeler... Je n'ai besoin de personne. Et je les ai tous envoyés après les Reilly. Alors parle. Tout le monde le dit. Les Reilly n'y sont pour rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Personne ne dit ça. Les Reilly ont déjà dit qu'on leur avait pris une partie de territoire. Alors c'est eux. Je te dis que c'est eux. Je vous dis que non. Comment tu le sais? Un copain qui m'a soigné mon épaule... Il dit que les Reilly sont aussi en train de rechercher le tueur pour le remercier. Il m'a garanti que les Reilly ne savent pas qui a fait le coup. Mais qui ça peut être si c'est pas eux? J'en sais rien. Qui peut être assez malade pour monter un coup pareil, hein? Et pourquoi? Là est la question. Il y en a une autre. Où doit-on chercher? Il y a autre chose que je dois vous dire. Qu'est-ce que tu vas encore m'annoncer? Ma famille est anéantie. Il n'y a plus que la haine qui me fait tenir. Alors te tuer me procurerait un énorme soulagement. Je ne suis pas sûr, mais... Avant de m'évanouir, je crois bien que j'ai vu Renaud. Renaud? Tu en es sûr? Non, j'en suis presque sûr. Il n'a pas tiré de coup de feu, mais... Il était là. C'est un bon début. Trouve-le. Et amène-le-moi ici. Et vivant. Tu devrais regarder ça. Tu vas pas rester là. Viens regarder la télé avec moi, ça passera le temps un peu. J'aime bien tous ces vieux trucs. Il est bien celui-là. Tous les personnages sont des méchants. Sauf la petite, là. Elle va réussir à les tuer tous. Je te remercie, maintenant je connais la fin. Oh, ça se finit toujours pareil. Jimmy. Alors, c'est pas trop dur d'être mon chou? Non, non, ça va, monsieur Reilly, je vous remercie. Parfait. Quelles sont les nouvelles? Sergueï est en train de remuer toute la ville, il croit toujours que c'est vous qui avez fait le coup. Est-ce que des hommes le protègent? Non, pas vraiment. Il m'a demandé de retrouver Renaud. Ce sera inutile. Pourquoi? Tu as dû foncer pour rentrer du club. On a de la visite. Ah, va chercher à boire. Oui, monsieur.
C'est votre nom, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez où vous êtes? J'oserais me hasarder en disant que je suis en présence de Monsieur Michael Reilly. Évidemment. Nous nous sommes rencontrés? Il y a quelques années, oui. Vous ne pouvez pas vous rappeler, c'était à une soirée chez vous. Hein? Vous avez raison, je ne me souviens pas de vous. Michael Junior, est-ce que tu es là? Ouais, tu sais pourquoi tu es là, Renaud? Je n'en ai aucune idée. Et en cherchant des informations. Je me ferai une joie de vous aider, si toutefois je le peux. Ouais, peut-être. Savez-vous qui a engagé les tueurs pour tuer les Karpov? Pas du tout. Personne ne le sait. Beaucoup pensent que c'est vous. Faites-vous partie de ceux-là? Allez savoir. On ne sait pas qui l'a fait, mais toi, Renaud, tu le sais. Moi? Non. En quel honneur? On sait que tu y étais. Alors, tu le reconnais, lui? Le barman. Celui du Blue Parrot. Lui, il était là. Et il dit que tu y étais aussi. Non. Dites-nous qui les a tués. Y a-t-il une autre famille qui songe à venir prendre des secteurs de la ville? Est-ce qu'ils vont s'attaquer à nous? Je ne sais pas. Sergei doit se poser la même question. Je sais pas combien t'as touché, mais ça vaut pas la peine que tu te fasses défoncer la tête. On sait que t'as du talent, et on sait aussi que tu es loyal. Tu viens de notre équipe, et on enverra tous les Karpov et leur organisation en enfer. Et tous ceux qui ont voulu les soutenir. Une bonne rémunération. À plein temps. Qu'est-ce que t'en dis alors? J'en dis pas grand-chose. C'est pas bon de réfléchir. Est-ce que vous êtes allé voir chez lui? Ouais, Sean vient de partir. Paddy, va le retrouver. Il nous aurait appelé, non? Un peu de patience. Faut que j'essaie de le retrouver. Surtout, n'approche pas du club. D'abord, je vais chez lui. Après, je m'arrêterai devant le club. Discrètement. D'accord? Tu seras ici? Je ne bouge pas. D'accord. Non, non, tu bouges pas, tu restes en planque. Et s'il s'en va, t'appelles tout de suite. Karpov est encore au club. Il a dit autre chose? Non. Lui, il dira plus grand-chose. Désolé, papa. Je croyais qu'il tiendrait mieux que ça. Il y a 8 jours, il a loué un loft pour quelqu'un d'autre, près du club. Il faut y aller. Sean, tu restes là. Non! On va faire une petite balade. Pourquoi pas? Est-ce que je vais revenir au moins? Ça dépend de toi. Vous permettez que je prenne quelques affaires?
Merci, Jimmy. Tu peux retourner dans la cuisine. Je ne savais pas qu'un tueur pouvait être aussi charmant. Tueur? Mais comment ça, un tueur? Je ne suis pas du tout d'humeur à m'amuser, alors enlevez-lui ça. Je m'appelle Michael Reilly. J'ai entendu parler de vous. Et lui, c'est mon fils, Michael Junior. Lui, je connais. Et vous, vous êtes? Brigitte. Vous êtes trop jeune pour ce genre de boulot, Brigitte. Brigitte, comment? C'est important? Non. Vous vous êtes attaqué au Karpov. Oui. Et ça n'a pas traîné. Je n'avais aucune raison d'attendre. Vous savez, je me demande comment je suis encore vivante. Alors, arriver à ce point-là, chaque minute de vie est une sorte de bonus. Mais quelqu'un vous a payé pour tuer les Karpov. Ils ne sont pas tous morts, hélas. Je vais reformuler ma question. Une fois que vous aurez tué Sergueï, qui va vous payer pour avoir rempli un contrat sur les Karpov? Pourquoi faut-il que ce soit toujours pour l'argent? Il peut y avoir d'autres motivations, non? Elle veut jouer à ça. On va bien s'amuser, alors. Paddy, fais sortir notre ami, je te prie. Est-ce que c'est un ami des Sandoval ou bien un membre de la famille qui a pris contact avec vous? Aucun. Alors, en toute logique, ça signifierait qu'un autre clan inconnu jusqu'alors voudrait s'emparer de l'empire des Karpov. Pas à ma connaissance. La place sera libre quand j'aurai terminé. Et personne ne vous paie? Personne. Elle est en train de dire qu'elle l'a fait pour la beauté du geste. La beauté n'a rien à voir là-dedans. Alors, pourquoi avoir fait ça? Puisque vous n'êtes pas impliqué et que vous profitez de la situation, je ne vois pas du tout en quoi ça pourrait vous concerner. C'est là que vous faites erreur, mademoiselle. Nous vivons dans un monde d'informations. Une information peut avoir une grande valeur et peut-être aussi un moyen de pression. J'aime l'information. J'aime savoir des choses. J'aime savoir tout ce qui se passe dans ma ville et pourquoi. Tu le comprends, ça? C'est tout à fait fascinant. Mais pour ce qui est des raisons de mon action, c'est personnel, d'accord? Alors, vous me laissez partir et je finirai ce que j'ai commencé. Après, je repartirai et vous ne me reverrez plus jamais. Je ne veux pas le savoir. Je veux que tu répondes à ma question. Si tu continues à jouer ce petit jeu, tu mourras. Tu connais ce monsieur? Oui. C'est lui qui t'a engagé? Je vous ai déjà dit que personne ne m'avait engagé. Il t'a aidé, peut-être? Oui. Dis-moi, parle, Brigitte. Je vais vous raconter toute l'histoire. Mais seulement à vous et à votre fils. On est bien d'accord? Vous deux et personne d'autre. Paddy, Jimmy et toi, Sean. Allez boire un verre, faites un billard ou ce que vous voulez, mais laissez-moi. Oui, monsieur Reilly. Je suis née à Paris et j'ai grandi dans les Pyrénées. Tu es française? Tu sais que ce n'est pas bien de raconter des mensonges. Oui, ma mère était anglaise et mon père était français. Alors, va te faire voir. Irlandais. Très bien. Continue. Il n'y avait que ma mère, mon père et moi.
On avait de la terre. Un petit vignoble. Une vie simple et heureuse. Mon père travaillait pendant que ma mère et moi étions à la maison. Maman, c'est pour moi que t'as fait un gâteau au chocolat ? Non, chérie, ce n'est pas pour toi. C'est pour papa. Ce n'est pas son anniversaire, pourtant. Non, non. Nous allons fêter la première vente de la première récolte de notre cru. Notre cru. Ah, c'est un jour merveilleux. Papa a enfin réussi à vendre sa première récolte. Comment ça ? Il a vendu la récolte ? Ma chérie. Tu sais que si tu travailles dur, un jour, tu pourras reprendre l'exploitation familiale. Non, maman. Je ne peux pas. Je veux devenir chanteuse. Oh. On a entendu une voiture arriver. Pour moi, c'était des gens heureux, qui riaient. Ma mère, elle, était inquiète. Elle avait tout de suite vu qu'ils étaient ivres. Ils buvaient tous de l'alcool, de la bière. Hé, hey, attendez, dites-moi ce que vous voulez. Mon père n'était pas armé. Ils l'ont abattu sous nos yeux, comme ça. Sans raison. Sauve-toi ! Sauve-toi ! Bien joué. J'ai résisté autant que j'ai pu. En vain. Georges était le premier. Quelle beauté ! Après, il y a eu Natalia. Sergueï était le suivant et ensuite, Peter a sorti son poignard. Entendu parler. Ce n'était pas terminé. Ma belle. Adieu, mon amour. Non, pitié. Ils me laissèrent pour morte. Notre voisin, Renaud, avait entendu les coups de feu, mais il arriva trop tard. Thank you.
Renaud soigna mes blessures et la plupart guérirent très vite. Il allait partir en Amérique, alors il vendit la vigne et une partie de la propriété de la famille. Et il m'a fait admettre dans un collège du nord de l'Angleterre. C'est une histoire bien triste. Mais qui me dit que ce n'est pas vous qui l'avez inventée? Écoutez, si vous ne me croyez pas, il faut me tuer tout de suite. Mais promettez-moi que vous irez vite achever Sergueï. Je comprends pas. Qu'est-ce que les Karpov pouvaient bien faire là? Il m'a fallu des années pour le découvrir. C'était avant la chute du mur. Apparemment, Sergueï et Georges avaient fait parler d'eux derrière le rideau dans les Balkans. À l'époque, ils se faisaient appeler Kortchev. Ils firent de la prison jusqu'à ce que Peter et Natalia réussissent à les faire échapper. Tout de suite après, ils passèrent à l'ouest. Leur vie se résumait à boire et à voler à travers tout le continent. Par la suite, j'ai découvert qu'ils avaient rendu visite à d'autres familles. Ils ont semé la terreur à travers tout le pays. Leur manière à eux de fêter la liberté retrouvée. Ils ont tué ma mère et mon père sans aucune raison. Une folie meurtrière totalement gratuite. Interpol était sur leurs traces, mais ils ont réussi à s'échapper. En Amérique, terre de toutes les opportunités, ils changèrent de nom et entrèrent dans le milieu. Et Renaud, alors? Je suis venue aux États-Unis pour retrouver ces assassins. J'ai vendu ce qu'il restait de la propriété et j'ai engagé Renaud. Vous avez engagé Renaud? Oui, j'ai engagé Renaud pour qu'il retrouve les Karpov. Et il les a retrouvés. Il vous a dit où ils étaient? Non, il ne nous a rien dit. Et il ne nous a jamais parlé de vous, si c'est ça que vous voulez savoir. Continuez. Quand j'étais à l'université, je me suis entraînée pour cette mission. J'ai exploré des domaines qui me paraissaient nécessaires. Recherche, informatique, musculation, armes à feu. Et j'ai réussi à travailler dans des endroits où j'avais accès aux fichiers internationaux. Et puis, le moment est venu. Ma haine ne faisait que me ronger. Je devais le faire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir à votre arrivée ici? Vous saviez certainement que ma famille pouvait vous aider. C'était une mission personnelle. Cela dit, vous nous avez prouvé que vous êtes très forte à ce petit jeu. Vous êtes même douée. Que diriez-vous de venir travailler pour moi? Je suis prêt à vous payer très cher. Oui, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, laissez-moi partir. J'ai une mission à achever. Oh, hé. Ça ne va pas? Ma famille est morte, abruti. Vous mettriez combien sur la table si je savais où le tueur est retenu prisonnier? Je mettrais ta vie. Monsieur Karpov, je parle de choses plus intéressantes. Combien? Dolfric. Réponds, est-ce que tu sais où est le tueur? Oui. Je crois, oui. Je t'écoute. Les Rélis ont retrouvé la fille. Quoi? Oui. Les Rélis l'ont embarquée, et puis ils l'ont relâchée. Pour qu'elle puisse finir ce qu'elle a commencé? Exactement. Tu sais qui l'a engagée? Non, mon... L'informateur a été obligé de sortir quand ils l'ont interrogé, mais il a attendu à l'extérieur. Et il l'a vu repartir. Le fils Rélie l'a mise dans un taxi et l'a renvoyée chez elle. Elle n'a même pas été suivie. Alors, où est-elle? Je suis allé boire quelques bières avec mon copain et il a fini par me dire où elle habitait. On y va. Non, attendez. Pas encore.
Pourquoi? Vaut mieux que je vous fasse un café, vous serez en meilleure forme après. D'accord. Où est-ce que tu étais? Je... Tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien. T'aurais pas vu mon père? Ton père? Mon père. Renaud? Oui. C'est ton père? Oui. Ma mère m'a élevé à Londres, je suis venu ici il y a 2 ans, je croyais que tu le savais. Non, je ne savais pas. Alors... Où est-ce qu'il est? Les Reilly sont passés et puis ils m'ont emmené. Comment ils t'ont retrouvé? J'en sais rien, mais ils avaient déjà emmené Renaud. Et ils l'ont interrogé. Il était déjà mort quand je suis arrivée. Oh, je sais pas quoi dire. Je suis désolée. Qu'il a dit quelque chose. Non, il n'aura rien dit, il n'a pas parlé. C'est vrai, il n'a pas parlé. C'était une vraie tête de mule. C'était quelqu'un de bien. Il a pris soin de moi. Lui, il savait vivre. Il profitait de la vie, de chaque minute. Ouais, Michael. C'est moi, Paddy. T'avais raison. Jimmy joue sur les 2 tableaux. Il m'a laissé tomber au pub et là, je le retrouve au Blue Parrot. Continue. Il est avec Karpov. Ils viennent juste de sortir. Ils vont sûrement chez la fille. Si jamais ils la chopent, il y aura de l'action. Je veux être aux premières loges. Moi aussi, je voudrais être là. Pour voir Sergueï s'écrouler. Paddy, tu vas les suivre et nous attendre en bas de chez elle. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que je trouve un autre appartement. Il ne faut pas que les Reilly ou même d'autres sachent que je suis encore là. Viens chez moi. Non. Ils ont trouvé Renaud, alors ils peuvent me retrouver, toi aussi. Il faut qu'on parte tous les deux. Très bien. Quand on aura fini, je t'emmènerai avec moi et on se trouvera un coin sympa. Il n'en est pas question. On ira où tu voudras. J'ai dit non. On ferait une bonne équipe. Je n'arrive pas à penser plus loin que demain. Alors il vaudrait mieux qu'on se sépare. Mais on a encore un boulot à terminer. Oui, je sais. Alors arrête. Il n'en reste plus qu'un et je vais m'en charger seule. Non. Non. Maintenant, il y en a un autre.
Alors, comment est-ce qu'on fait? T'inquiète, je vais prendre mon temps. Quand elle aura bien souffert, elle crèvera. Où veux-tu qu'on aille? Restez là, je veux surtout pas être dérangé. Ouais, d'accord. Je reviens dans 2 minutes. Jimmy et Karpov viennent d'entrer. Il y a 2 filles à l'extérieur. Bonsoir, mademoiselle. Salut, Jimmy. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Vous ne pouvez pas être un tueur. Peut-être qu'il y a erreur. Oh non, 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 c'est elle. Vous pouvez me faire confiance. Te faire confiance? Je m'attendais à voir une personne un petit peu plus impressionnante. La prochaine fois, je ferai un effort. Maintenant, je veux que tu me dises qui tu es et pourquoi. Mais ça, ça fait 2 questions. Alors, je t'écoute. Qui es-tu et pourquoi? Moi, je voudrais savoir... pour qui votre copain Jimmy travaille réellement et pourquoi? La ferme! Bravo. Bravo, très impressionnant. Qui a monté le coup. Eh bien non, pourtant j'aurais bien voulu. Non, c'est bien elle. Toute seule. Elle tenait à agir seule. Une affaire personnelle, je crois. Ça s'est passé il y a très longtemps. Quoi? Cette bouteille, vous savez d'où elle vient? D'un vignoble français, Fauré. Une belle exploitation. Et mon nom à moi est Brigitte Fauré. Et ceci est la dernière bouteille produite sur cette même exploitation! Celle de ma famille! Vous avez assassiné toute ma famille. J'ai exécuté la vôtre. Belle, vous vous souvenez? Vous vous souvenez?
Attendez! La fille? Adieu, mon amour. Beau travail. Êtes-vous en paix maintenant? Pas encore. Luc, je te présente la famille Reilly. Messieurs, voici Luc. Mon partenaire. Si vous cherchez du travail, jeune homme, il est certain qu'il me manque quelqu'un qui a votre talent. Monsieur Reilly, je ne pense pas que Luc serait à sa place parmi vous. Vous avez tué son père aujourd'hui. Monsieur Renaud. Il faut pas rester là. Viens. Dépêche-toi. Je vous dis adieu, mes amours. Où est-ce que tu vas aller? Allez, viens.